Mbote na bino nyonso, ngai Joyce Bonoa. Landa Congo dialogue po yemba nyonso ya Congo. Merci beaucoup. Salutations, bienvenue dans cette émission Espace Dialogue avec moi Josué Boloa, l'international. Et bienvenue de choisir ces sites de bonne manière, congodialogue.com. Merci, comme vous savez, l'Espace Dialogue, là, la réflexion et la connaissance rencontrent. Une émission, plateforme pour la promotion des artistes. Je suis très ravi, Yako Yamba, une de nos sœurs qui vient tout droit de l'Europe. Maman Francine Ngembe, elle vient de la France. Yo, en Belgique, y'a en France. Je reste au monde le moins en Goyeba. Shalom. Maman Nankolo, la servante de l'État. Shalom, shalom. Ça va? Oui, ça va très bien. Oh. Soria, bon, comprendre. Donc, il fait tellement froid que, mais, tu es en plein studio, mais à l'ingapi de son matin, mouké, tout solamment mouké. La sœur Mia, c'est qui? Alors, Mia, c'est juste. Comment me présenter? Je suis Mia Pedra. Je volue dans l'église. CRC, Centre de Réveil Chrétienne, qui est dirigé par le pasteur David Goma et Jocelyne Goma, dont je fais partie du groupe, la grande chorale de l'église CRC Total Praise. Et dans Total Praise, c'est constitué que des leaders de groupe, donc voilà, dont nous faisons des concerts Zénith de Paris, Olympia et dans les autres grandes salles pour la gloire du Seigneur, bien sûr, c'est le gospel, on appelle le gospel festival. Alors, en tant qu'artiste, j'évolue aussi seul, donc je fais cet album, je suis présentement en Afrique du Sud et en train de tourner un clip, je fais un featuring avec le frère Thomas Lokofé et puis voilà. Voilà, servante de l'Éternel évoluant dans une église. Oui, bien sûr, je viens de le dire, CRC, Centre de Réveil Chrétienne. Bon, je te dirai pourquoi j'ai dit ça, parce qu'il y a des serviteurs, il y a des musiciens, bon, par contre, on a un indépendant, hein? Donc, à Zane, musicien, moi, évolué, moko, à dépend d'église. Oui, bitte, hein? Bazana, on a Congo, bah, Congolais, peu musicien, à Zane, comme une indépendante. À Banane, église, moko, boy, après, tant qu'on a sali combo, à comme une indépendante. Comme il plus invité, n'a pas église, mais c'est pas ton cas, et on a tout n'a qui osa servante, n'a quatre églises. L'idée de la musique chrétienne, et comment la gionde? Non, mais parce que depuis ma prime jeunesse, j'avais reçu le Seigneur, Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, à Kinshasa. Et je suis originaire de l'Est, bien que je suis chrétienne, hein, il faut dire. Donc voilà, arrivé à Kinshasa, dans mes 14 ans, 15 ans, j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je suis resté dans l'église depuis. Et étant en Europe, j'ai continué à chanter parce que j'ai chanté dans la chorale et je continue à chanter dans la chorale, bien que je suis en train d'évoluer aussi en tant que personne, artiste, servant le Seigneur, mais aussi dans la chorale. Donc cette idée de la musique, je pense que la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur et je ne fais que répondre à cet appel dont Jésus-Christ nous a lancé à nous tous. Sœur Mia, en grandissant, qui est-ce qui vous inspirait plus? Talipena modèle, maman, oyo sœur, oyo vraiment, ou tel frère, quand je la vois, quand je le vois, c'est elle ou c'est lui qui m'inspirait plus à chanter sur le plan vocal, sur le plan musical. Sur le plan vocal, personnellement, là où j'évolue
dans l'église, nous sommes plus dans le style world music, gospel bien sûr, du genre Donny Mark Lakin ou Cissy Wainès et autres. Mais dans notre communauté congolaise, je n'ai pas vraiment de modèle type pour dire, par exemple, telle personne. Mais par contre, il y a le pasteur Alain Moloto, le frère Alain Moloto. Lui, c'est sa musique, jusqu'à aujourd'hui, c'est une musique qui m'inspire beaucoup. Et aussi, vous savez, à l'époque où l'évangile était prêché autrement, véritablement, où on chantait de chants, par exemple, « Eh Yahweh, kembisangana kondima, masi anzambe nanguya, kembisangana kondima. » Tu vois, « Ou Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. » Ça, c'est des chants jusqu'à aujourd'hui que je continue à chanter, mais... Et puis à l'époque, il y a eu Marie Missam qui chantait. C'était quoi le chant déjà que je chante beaucoup? Non, c'était. Papa? Non, c'est, il disait. En fait, à l'obaki, que. Bibo n'aurait que Tobokam Colonini. C'est ces chants-là, bon, j'oublie. Ça, j'aime bien. Voilà, dis-moi, vous avez quand même l'écoute. Mm-hmm. Si j'ai posé la question pour savoir que vous êtes quand même connecté à la musique congolaise, n'est-ce et pas? Aussi avec le frère Thomas Lokofé, bien que Morso Naïe, c'est plus du rumba congolaise, mais c'est quelqu'un qui est très, 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 très accessible. Accessible. Parlons un peu de l'album ici, Sœur Mia Pedra, Adorée dans l'Alliance. L'idée est venue comment? En fait, parce que, si vous voulez, dans l'église où j'évolue, nous avons des séminaires de lévites. Parce que, ça l'a préparé pour que la gloire de Dieu descende. Alors, il y a eu un enseignement qui parlait, qu'est-ce que cela veut dire un adorateur ou une adoratrice? Parce qu'il y a adorer et adorer. Dieu, comme dit la Bible, Dieu aime... Il cherche les vrais adorateurs, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Or que nous sommes sauvés par l'alliance du sang de Christ. Nous devons que l'adorer en partant de cette base, l'alliance qui est le sang, qui est le sacrifice, qui est même la profondeur de la vie que Dieu nous a donnée. Donc, mais il y en a au monde en Moutoussous, sur Azoïma, par exemple. Ça m'a bêté. Parce que quand on dit adorer, cela veut dire à Dieu ce qu'il est. Parce que depuis le temps jadis, depuis la prédestination, depuis le temps, les anges adoraient Dieu. Et nous, Or que Nzambe vraiment, c'est lui dire, par exemple, Naima. Great and mighty is our God, is a mighty God, is a mighty God. Ou, par exemple, Nkoyima Nalingana Nzambe Moussoloba. Nzambe. Yozali Nzambe, Nzambe Nanguya Solo, Tozali Koluga. Tout ça, c'est l'adoration, elle est pure, elle est tout simplement, elle parle de ce qu'il est, ce que Dieu est. Or que la délivrance en soi part par cette alliance. Quand on adore dans l'alliance, la délivrance, tout ce qu'on a besoin, quand on reste, parce que là où Dieu domine, c'est selon l'alliance, parce que Dieu nous a approchés à travers l'alliance. Et quand il domine dans cette alliance, Mbongo, tout ce que Dieu a besoin, ça vient répondre aux besoins que nous avons. Parce que la Bible dit, le miracle accompagnera ceux qui auront cru. Nous ne sommes pas à la recherche de miracles, mais elle nous accompagne. Donc pour que ça nous accompagne, il faut que c'est lui qui est le sujet ou même la source de miracles, domine en Seigneur, mais il peut dominer que dans l'alliance, parce qu'il ne peut pas nous approcher sans le sang de Christ. Voilà. Voilà, je reçois la sœur Mia Pedra, venant de l'Europe, venant de France. Sœur Mia, naimbi oza moyembi. Parmi ba chansons, namoneza 12 chansons, nous avons maintenant un thème. A capella, kekaka.
Je crois qu'il voit les autres dérangés parce que c'est un studio. Les autres dérangés parce qu'il y a un bel singe. Malilité, malili, malili, sorry, vraiment trop barras. Une des chansons, mon ami adoré, je vois Everything, I belong to you, mon âme sœur, Chasing after you, Holy, Holy. Une des chansons comme ça qui te vient en tête maintenant. Avika, 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 but love, I can't explain. And now you have me, never change. I surrender all to you. I surrender all you. I've been captured by your love, I can't explain. And now you have me, and I have forever changed. Now, Sœur Pedro, merci beaucoup. Coup de chapeau à toi. Je crois que j'étais force de chanter parce que la voix n'est pas bonne. Mais quand je n'ai aucun studio, on a donc Zaki Toko Makasi. Tu t'es soutenu où maintenant? Parce qu'apparemment, tu es anglo, R&B, Donny Franklin, quelque chose comme ça. Apparemment, tu es congolaise, mais genre la musique, non, on est né, tu es anglo. Tu t'es soutenu où? Non, moi, je me suis tué où, comme on dit, Balbakam. Comment répondre à cette question? Je fais tout simplement la musique. Elle peut être rumba, elle peut être du world, elle peut être tout. Je peux tout chanter. Donc, en tout cas, je me situe là, dans le monde de la musique. Parce qu'en fait, quand j'étais écouté dans un studio, bon, je me suis dit, bon, is she South African? She's from America? Or, tu as balancé la voix, là, je me suis dit, mais en anglais. Ça a même donné hard time à J.C. Moutombo, l'ingénieur. C'était un peu difficile, là, mais comment tu fais ça pour arriver à combiner la musique classique, tout Par ça? Par exemple, le pire de tout, c'est que je ne pratique pas l'anglais parce que je ne le parle pas. Mais comme l'inspiration vient, c'est des mots qui me viennent en anglais que je ne connais pas. Par exemple, je peux être là, je sens dans mon cœur un chant qui chante en anglais. J'écris, tout simplement. Et puis voilà, je commence à chercher l'interprétation, je vais sur Google. Ça, c'est la vérité. Hein. Je dis, ah, mais ça veut dire ça. Mais ah, peut-être que je peux mal le prononcer, mais au fur et à mesure. Donc, tout ce que je chante là, c'est la plupart, ce que c'est des paroles qui me viennent. Et voilà, tout simplement. Wow. La place de l'adoration actuellement, en tant que musicien chrétien, on est où? Il y a un changement par rapport à la manière dont Ale Moloto travaillait et à ces temps ici que nous allons au 21e siècle. Selon vous, parce que tant que est-ce que la musique garde toujours la pureté de l'adoration comme était 10 ans, 15 ans passés? À mon humble avis, je pense que non. Je pense que non, parce que malheureusement aujourd'hui, la musique, elle est faite plus pour gagner de l'argent que pour adorer, par exemple. Parce qu'à l'époque, il y avait... Donc, par exemple, « Oui, bien, mon frère, mais... » Je sais que c'est des chants que tu écoutes, mais tu as besoin de te répandre tout de suite. Tu veux... Voilà, donc, après, je peux dire tout simplement... C'est le fait, c'est la consécration d'une personne devant Dieu qui fait l'impact de ce que la musique peut impacter sur le plan de Yabatou. Je pense que là, on a une musique un peu, pas un peu, oui, elle a perdu vraiment beaucoup. Qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous réprimandez à la musique chrétienne aujourd'hui? Non, on ne réprimande pas, je pense tout simplement qu'il faut que, qu'en tant qu'adorateur, qu'on puisse revenir à la source véritablement, surtout une vie de sanctification, c'est très important. En tant que Yembi, parce que si on ne peut donner que ce qu'on a. Alors pour impacter, il faut vraiment revenir à la source, être inspiré à la source. Et puis, quand on est à la source, non, voilà, tout prend. Voilà, tu es aujourd'hui en Afrique du Sud faisant le featuring avec le frère Thomas Lokofe. Quelle chanson? C'est. On est assez créé. Mais Obi Makalate. Et Obi Malangoka. Ah, comment on peut savoir certainement morceau Mora Moukete? Hein? Ou flasher Bissoka Moukeka? On a battu l'explicateur Bazola non à Congo Dialogue. Mais on dirait Micronezo Boum, c'est un peu malou.
C'est vrai, hein, c'est bizarre. Mais oui, c'était quoi déjà les chants qu'on a fait avec le frère Thomas? C'est pas parmi les chansons ici. Non. Ça, l'album, il est sur iTunes. Ça va faire, c'est depuis, ça fait un an que c'est sur iTunes. Okay, c'est l'album Adoré d'Alliance Mia Pedra, n'est-ce pas? C'est presque une année maintenant. C'est depuis 2017, 2016 que vous avez réalisé cet album. Ok. Vous avez déjà réalisé des concerts pour cet album? C'est un début. Hein. Après, vous savez, on travaille et puis on chante et puis voilà tout ça. Mais à part la grâce de Dieu. Comme vous dites, vous les anglophones, step by step. Yeah. Ok, maintenant, avec le featuring, ça sera quoi? Le même album ou il y aura maintenant le maxi single? Non, il n'y aura pas de maxi single. Il y aura peut-être un single ou des featuring que je peux réaliser avec tierce personne. Mais il n'y aura pas de quelque chose de solennel et tout. Voilà, voilà. Voilà, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à la sœur Mia Pedra, les jours à venir, vos projets d'avenir, qui s'attendent quoi? Concert, duplication de l'album, sortie officielle de l'album, Adorer dans l'Alliance, ou peut-être qu'ils attendent seulement le single-là que vous préparez ici en Afrique du Sud? Non, je pense que le lendemain appartient à Dieu et on espère faire mieux les choses. Ma camion, c'est qu'on suivre le cours Nango normal, ce qu'est l'Okebimi. Mais en ce moment, pouvoir statuer que ça, ça, ça et ça. Mais ce qui est sûr, on est en train de faire sortir cette featuring avec le frère Thomas Le Koffé. Et le clip est déjà presque fini. Donc, après, ceux qui veulent s'en procurer, par exemple, l'album Adoré dans l'Alliance, ça coûte 90 centimes sur internet par chant, donc Sœur Pedra, tu es accessible à tout le monde. Si tes collègues musiciens chrétiens veulent faire aussi le featuring avec toi, comment est ta voix? En tout cas, dans mon album, que ce soit sur internet, vous tapez Mia Pedra, c'est MYA. Il y a tous mes coordonnées, sinon derrière mon album, il y a tout. Hein. Tu peux donner, il n'y a aucun souci. Ok. Votre mot de la fin, en Afrique du Sud, et à tous tes consoeurs, tous tes confrères musiciens chrétiens qui vous suivent. Alors, Dieu merci de ce que j'ai été bien accueilli ici. Alors, le mot d'encouragement. Oebi, ce que j'ai remarqué, Namouni Batoba souffrir mon mingi. Mais le fait, ce n'est pas d'aller tous les jours à l'église ou de prêcher ou je ne sais pas quoi. Mais c'est, je veux dire, sortir d'une situation à une autre, c'est tout un état d'esprit. C'est le mental, c'est ce que tu vois, c'est la foi. La foi, en fait, c'est la démonstration de ce qu'on espère. Vivre véritablement ce que tu veux voir. Par exemple, si tu vois la pénurie, tu verras que la pénurie. Alors j'encourage à tous nos frères qui sont ici, mais que ce soit en République démocratique du Congo, de garder la foi, d'avoir une vision claire et d'avoir, comme on dit, cette assurance que le lendemain sera meilleur. Et c'est véritablement sera meilleur. Parce que nous avons mis le créateur de ces de la terre, le père des esprits, hein, c'est lui qui contrôle le visible et l'invisible. C'est lui qui a le dernier mot de chaque être vivant, c'est lui qui nous donne les mouvements et l'aise. Alors, il n'y a même pas histoire de désespérer. Ce que tu veux, crois-le et une vision claire de ce que tu veux. Et nous avons aussi la naïe. Quand on est en Afrique du Sud, on a poto, ils ont une place à ma bénédiction. Si on a mal, il n'y a pas un boulot, tout ça, on a kinga souka. Qui s'engagne ou quoi? Nous avons besoin de tombola. Yo ne tiara elikia pur et pas nous avons besoin de Simba. Tes salutations à tes frères, tes soeurs, tes connaissances. Alors mes salutations, c'est je suis quelqu'un qui aime les gens. Bon, je me dans un bête la tolote. Alors moi j'aime saluer souvent le chégué, les gens qu'on abandonne. Les personnes qui se sentent un peu délaissées, les personnes qui sont en déprime, au fait. Moi, je dis que le lendemain sera meilleur. Et moi, personnellement, je vous porte dans mon cœur. Voilà mes salutations. Et vraiment beaucoup d'amour. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voilà. God bless you. Voilà. Elle rentre aujourd'hui en Europe. Merci beaucoup pour votre temps.
quoi que Betelinga featuring na et non gâté nous aimons bien bosser na tout frère Thomas le coffre voilà, je te libère, merci beaucoup. Plein succès à toi et puis bon voyage. Merci, merci d'être venu. Tu suivras cette émission sur Congo Dialogue. Merci donc. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je dis grand merci à vous, grand prêtre mère, aussi Sina sœur Pedra, Azokenesikoto libéré. Merci na Jo, merci na Thanks, merci na Kelly Anderson pour son assistance. Merci à Désiré, merci à Chris Ovangadio, merci à la grande dame Francine Gembe, la coordinatrice de ce site de bonne manière. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la fois prochaine. YouTube, c'est Congo Dialogue. Abonnez-vous massivement. Et Facebook, c'est José Bola. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bénisse. Mbote na bino nyoso, ngai Joyce Boloa. Landa Congo Dialogue po yemba nyoso ya Congo. Merci beaucoup.